Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs. Le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous dans la douceur. À tout bientôt. Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message des anges, de ce mercredi 3 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite philosophie du matin, pensée positive, n'est-ce pas? Le petit déjeuner est un moment essentiel. Nourrir son organisme est une symbolique forte, surtout en début de journée. On le charge d'énergie, avant d'aller vers ses occupations quotidiennes. Trop souvent délaissé,
cette première étape est indispensable. Envisage-t-on d'entamer un long trajet en voiture sans plein de carburant? Non, n'est-ce pas? Car on court le risque de tomber tôt ou tard en panne d'essence. Aussi, eh bien, pour que l'organisme ne nous lâche pas en cours de journée, c'est-à-dire coup de fatigue, de stress, trou de mémoire, etc., eh bien, il faut lui donner son carburant dès le matin. Donc, le petit déjeuner est très important. C'est un repas qu'on ne peut pas sauter dans la journée. On peut peut-être sauter d'autres repas, mais pas celui du petit déjeuner. Voilà. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la carte. L'ego, c'est une lame majeure. Et l'ego, dans le tarot de Marseille, eh bien, il est représenté par le diable. Et c'est l'arcane qui est associé à l'ego, eh bien, c'est l'arcane Michaël. Et Michaël, eh bien, il est l'archange qu'on appelle lorsque l'on se sent en danger. Il est réputé pour nous protéger et nous aider à calmer nos peurs. Michaël est armé d'une grande épée de lumière qu'il utilise pour rompre les liens énergétiques indésirables avec le passé ou les personnes que vous avez besoin d'écarter en toute sécurité et avec amour. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien, si vous manquez de confiance en vous ou si vous avez du mal à définir vos objectifs de vie, n'est-ce pas, c'est également lui qu'il faudrait que vous appeliez. L'archange Michaël est par ailleurs connu pour aider à réparer les objets cassés, tels que les voitures ou tout autre matériel. Voilà, donc, faire appel à l'archange Michaël pour cette lame l'ego. L'ego, l'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Ça peut être aussi avoir une addiction, une habitude malsaine. L'archange Michaël vole à votre secours. Alors, comme il a une épée, eh bien, il vous libérera des croyances limitantes et des comportements destructeurs. Pour certains d'entre vous, l'impression d'être piégé est souvent une illusion. Parfois, on s'habitue si bien à la situation que l'on ne voit même plus les occasions de changer ou de se libérer de son triste sort. Vous savez, l'ego préfère maintenant le statu quo que des pensées comme « tu n'es pas assez bien pour réaliser tes rêves » ou « mieux vaut en rester là ». Ça pourrait être pire. Si vous êtes malheureux, malheureuse, je peux pourtant vous assurer que l'univers veut vous voir changer et fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous y aider. Mais le choix de changer, eh bien, n'appartient qu'à vous. C'est à vous de faire les premiers pas dans une nouvelle direction. Alors cette carte, elle peut aussi refléter une personne trop concentrée sur l'acquisition de richesses ou de biens matériels, probablement pour combler un vide spirituel ou émotionnel à l'intérieur, n'est-ce pas? Il y a peut-être aussi des dépendances ou une surexposition à des aliments, des substances ou
des personnes malsaines. La carte de l'ego, vous pourriez être addict, soit à l'alcool, à la cigarette, à une drogue, aux médicaments, à la nourriture. Votre ego est peut-être surdimensionné. Vous brûlez peut-être la vie par les deux bouts. Et c'est votre ego. Donc il faut peut-être faire un travail sur vous. Pour d'autres d'entre vous, vous n'assumez peut-être pas. Il y a un refus d'assumer, eh bien, votre responsabilité dans la situation que vous vivez présentement. Et vous êtes seul responsable de ce qui vous arrive. Vous êtes responsable de vos actes. Ne l'oubliez jamais. Je le dis souvent, n'est-ce pas? Vous êtes responsable de la situation que vous vivez. Si maintenant, c'est votre ego qui a pris le pouvoir sur vous. Alors on vous invite à distinguer plus clairement ce qui est la cause et ce qui est le symptôme. Être prisonnier de la peur et de l'inquiétude peut être néfaste. Il pourrait aussi s'agir d'un excès de dette. On vous demande aussi de faire attention à vos finances. Vous êtes peut-être, au point de vue sentimental, avec une personne qui n'est pas saine. Vous avez peut-être, en dehors point de vue sentimental, ça peut être au point de vue professionnel ou amical, vous avez peut-être une personne autour de vous qui n'est pas bienveillante. Donc on vous demande aussi de vous méfier de faire des choix dans votre vie. Eh bien voilà le message de l'ego. Je termine avec l'affirmation positive. Je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut. Ben voilà, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il y a des personnes qui sont négatives autour de vous. Et donc, ben, il faut peut-être faire le nettoyage du printemps. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.